Bon les amis, on se retrouve enfin pour la partie 3. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vous invite à regarder la partie 1 et 2 qui s'affichent ici et les liens sont en description. Pour vous la faire court et vous rafraîchir la mémoire, il y a quelques temps avec l'équipe, on est parti faire de la détection. On a trouvé un cercueil qu'on a déterré et ouvert. À l'intérieur, on a trouvé des indices avec un dictaphone nous donnant des numéros. Attendez. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, dans mes toutes premières vidéos, je vous avais parlé d'un pronostiqueur qui s'appelle Gros Monnaie. Si aujourd'hui je vous reparle de lui, c'est tout simplement parce que c'est l'un des plus rentables en ce qui concerne les paris sportifs et plus spécifiquement le tennis. Pour vous faire simple, le mois de mai a été à 83% réussi. Voici une présentation de lui en vidéo. Salut, moi c'est Alex. Et à la base, le sport, c'est ma passion. Foot, tennis, basket, tous ces sports ont forgé mon enfance et développé mes connaissances de ce secteur. Avec quelques sous en poche, j'ai commencé à miser sur des matchs et j'ai vite compris que je devais appliquer mes propres techniques de gestion de bankroll et que les sentiments ici n'avaient pas leur place. J'ai créé mon business dans les paris sportifs il y a maintenant 3 ans. À la base, tout le monde me disait que j'étais fou, que jamais ça ne marcherait. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon agence Gros Monnaie Pronostics spécialisée dans le conseil et analyse qui regroupe plusieurs milliers de membres. Mes propres outils m'ont permis d'avoisiner les 85% de réussite sur l'année 2018, permettant de générer près de 50 000 euros de gains à ma communauté. La transparence est ma priorité, mais surtout, elle fera votre réussite. Alors si tu es prêt à rejoindre l'aventure, je te donne rendez-vous maintenant dans la Gros Monnaie Family. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. On se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une petite conclusion. Bon visionnage à tous. Ciao. Voilà les gars, on se retrouve pour la troisième partie qui nous a mené dans un endroit assez bizarre. Les chiffres qui avaient été donnés, on a tout essayé. On a essayé numéro de téléphone, on a essayé un peu tout. Et au final, on en a conclu, on a vu que c'était carrément une adresse. En fait, c'est la longitude et la latitude d'une adresse, d'un endroit. Et cet endroit, c'est ici. Sauf qu'on ne peut pas y aller en voiture, on est obligé d'y aller à pied. Donc on ne sait pas où ça va nous mener. Avant que cette vidéo commence, comme vous le savez, je suis entouré de mon équipe qui est de plus en plus nombreuse. Et ils ont tous Instagram, donc leur Insta s'affiche tous ici un par un. Il y a un scooter, mais bon, on est 600 donc ça sert à rien. On va pas monter à 600 sur le scooter. On doit marcher tout ça à pied, donc je sais pas où ça nous mène, on verra bien. Mais en attendant, il y a 13 minutes de marche, donc on va marcher 13 minutes, c'est écrit. On y va, let's go. Non seulement la longitude et la latitude qu'on a rentré. Sur l'ordi, ça nous mène à cette adresse là, là où on va. Mais en plus de ça, je veux dire, c'est pas loin. Ça veut dire que c'est à même pas 10 km de là où on a trouvé le cercueil. Donc au final, ça coïncide. Bon, là ça fait déjà 5 minutes qu'on marche. Sur le téléphone, il reste encore à peu près 8 minutes. Ça fait penser un peu à un jeu de piste. C'est à dire que le mec il nous a donné une adresse. Après, peut-être qu'on va, je sais pas. Moi, je sais pas. Dans tous les cas, on a pris nos précautions, on est plusieurs. Donc là, je viens de voir sur le téléphone. Ça se situerait un peu plus haut. Mais les gars, apparemment on y est. C'est là frère, sur le téléphone c'est là. Mais y'a quoi ici? Y'a rien frère. Y'a là-bas, y'a un bloc de pierre. Viens-tu dans les... C'est au-dessus? Vas-y, bah, on va au-dessus. Ah, cherchez le moindre truc, n'importe quoi, un truc par terre, une je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi, un papier, n'importe frère, même si. Regardez sous les pierres, regardez n'importe où, on est. Le point, il est ici le point. C'est ici frère. Mais déjà ça c'est proche, c'est comme ça c'est pire. Je sais pas quoi, j'ai vu ils ont bouché. Ça va, bah ouais. Ah si c'est bizarre. Je dis pas que c'est la personne, mais ça. J'ai envie de pisser, je vais faire pipi. Ouais, j'en peux plus. Filme pas. Hein. Là les gars, là, je sais pas, il y a un portail, hein, tu veux un passage. Un portail, voilà. Ouais. Non, il y a un passage. On va voir. Frérot, je suis en train de me.
J'étais en train de faire pipi. Mort là. Juste avant qu'on continue l'aventure, j'ai mon frérot, je l'ai invité parce que c'est un ami à moi. Et il fait des lives sur Fortnite, sur Twitch. C'est quoi ta chaîne Twitch? C'est Captain Cedroc. Captain Cedroc. De toute façon, on le notera en bas. Et je joue avec lui souvent. Yes. Donc rajoutez-le. C'est mon frérot. Ça va être lui. Lourd. Voilà. Ouais, bon, merci l'équipe. Allez-y, il joue en ligue et tout. Donc n'hésitez pas à le rajouter. Merci. Il y a une écriture 23-01. Ouais, j'ai vu. 2011. Non, mais là, il y a une écriture en 2011. Ou Blanco, mon frère. Là, c'est rien à voir. Je pense qu'il faut descendre. On va descendre là. Frérot, je vois pas ce qu'il y a d'autre. Ouais, sur le même point, je vois pas ce qu'il y a d'autre. C'est où il y va, les gars, c'est un vaillant. Alfred, ouais, bien, c'est bon. Ciao Alfred. On le sac, il est chaud. Oh, c'est chaud, frérot. T'as la cicatrice que t'as fait le laser game, frérot. Oh là 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 là, mon dieu. Elle est collector, celle-là. Vas-y, frérot, tiens. Attends. Non, c'est pas du tout prévu ce qui se passe là, c'est. Ah, ça, c'est tout noir, t'as on voit. T'as de l'éclairage, je le sors de mon sac après. Allez gars, ça va là à droite, vas-y descends encore. Vu la date là. Elle est là. 29-05-93. Tu imagines comme c'est vieux? 16h25 il y a écrit. En dessous le A, 16h25, tu imagines? Il y a combien d'années frère? Tu imagines? Il est là. 71 frère. 1914. Brigitte. 1789. Oh 25, 10, 59. Oh les gars, 59, il y a 60 ans. Pile poil. Les gars, là, on est apparemment dans une grotte. Comment vous dire, là, apparemment, il n'y a rien. Il y a des escaliers en bas. Et apparemment, je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Ouais, c'est tout fait. Moi, je vous dis la vérité, honnêtement, je me sens pas très bien parce que j'aime pas être renfermé. Et là, on est complètement renfermé. Mais rien que ma respiration, je le sens. Ouais, bon, l'humidité et tout, je commence à le sentir. Tu vois, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est compressé un peu. Donc là, on va prendre les escaliers, on va essayer de faire au plus parce que je me sens vraiment pas bien ici. Et on va voir ce qui se passe en bas. Tu portes avec un cadenas, frérot. Elle est petite, la chaîne, on peut la casser. On pourrit le même avec une pièce coupable. Je mets un cri qui s'arrache. Ouais, le problème c'est qu'on est dans une grotte. Faut pas crier, faut pas faire de bruit, faut pas faire de vibration. Doucement, doucement. Vas-y, toi. Ouais, c'est bon, elle va se péter. Yeah, c'est bon. Ah, ça va. Un par deux, on va descendre. Regardez, on va pas s'en mettre, c'est un par deux là. Regarde, c'est mon frère, mais toi, c'est pas. Bon, les gars, faites très attention. C'est dur, c'est un peu plus. Descends des biches, on s'en passerait du tout. À partir de maintenant, les gars. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose à trouver ici. C'est obligé, on nous a pas envoyé ici pour rien. Les gars, venez, escalier, là, venez sous. C'est incroyable. Regarde, c'est incroyable. Flèche, tu vois la flèche? Les gars, si vous voyez d'autres flèches, suivez-les. Elle est là, votre flèche. Elle est là, il y en a une là-bas. Il y en a une autre? Elle est là, votre flèche. Il y a une flèche, mais elle est passée. Encore une flèche. Il y a un tunnel. C'est chaud. Il y a des flèches rouges encore. Il y a la flèche, les gars, faut absolument suivre les flèches. Les gars, ça s'arrête ici. Franchement, je sais pas, je sais. Ça fait combien d'heures qu'on est là, les gars? Une heure et demie. Et on a rien trouvé de spécial, tu vois. Les gars, si ça se termine ici, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose ici. S'il n'y a rien, ben on va dans les trucs. C'est immense. Et si on doit faire chaque recoin, frère, il y en a pour des années. Le seul indice qu'on a, c'est les flèches. Flèche. Mais je sais pas, il y a des trous, il y a des creux, il y a des crevasses. Moi, je suis chaud, moi. Faut aller là-bas aussi, non? Tu viens avec moi? Bah, je te suis vite. Ouais. Y'a quoi? Attends. Je sais pas, toujours des inscriptions, comme des gravures. Il y a des croix, enfin, c'est bizarre un peu. On va remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Tu me dis, je veux trouver quoi? Je sais pas, moi quand je pars faire de la détection, j'étais pas censé trouver un cercueil, frère. J'étais pas censé trouver un cercueil avec un mannequin dedans, une clé USB, une vidéo, un message vocal qui nous donne des trucs GPS pour venir ici, frère. Donc si on est ici à l'heure d'aujourd'hui, c'est soit on va y rester, on va crever ici, soit il y a un truc à trouver, frère. Il y a des flèches rouges et tout, gros. Il y a une croix rouge, là. Ah ben oui, voilà. Ouais, mais ça fait quelques années. Ben, ça veut dire que il y a un creux, là. Viens, on y va. Vas-y, si tu veux, tu rentres. Steven, vas-y. Vas-y, frère. Vas-y. C'est le plus maigre. Essaye d'y aller avec lui, frère. Arnaud, ou si tu passes pas. Attends, que je vais te commencer avant. Lève ton sac. Lève ton sac. Quoi de bien? Il est là. Va-t'en où?
Il y a une autre flèche. Les gars, c'est par là, vas-y. Dis-moi, c'est un autre passage, on y va tous. Oh, il y a un truc. Hein? Attends, il y a un truc, attends, tu peux pas, attends. Quel truc? Il y a une boîte, un coffre, attends. Tu veux prendre le brinquant, quoi? Je suis ma mère, regardez, les gars. Il y a quoi? Attends. Ah, les gars, je peux pas. Attends. Regardez les gars. Venez les gars, on sort, venez on sort. On sort de la grotte. Ça c'est chaud ce qu'on a trouvé. Oh oui, bah attends, on sait pas encore ce qu'il y a dedans. Non mais t'as vu la grotte comment elle est? Ouais, non. Alors, là je suis content parce que regardez, on a trouvé ça. On l'ouvre ici, non? Ouais, c'est parti. Maintenant? Ouais, vas-y, go, chaud. Les gars, faites-lui tous un petit bisou comme ça. J'espère qu'il y a de l'argent, on a tous les mains. Par contre les gars, mettez tous quelque chose devant vos visages, on sait jamais. Là, il y a un truc toxique, je sais pas. Attends. Fais pas peur, ça va péter. Je sais pas, frère. Vas-y, je me cache derrière toi. C'est bon, vous êtes prêts? Allez. Oh, le suspect. Voilà, vas-y. On ouvre pas, non. Ah, c'est un coffre. On ouvre pas. J'ouvre ou j'ouvre pas? C'est fort, mais ouvre. Oui. Quoi? Oh, j'ai bien vu que tu fais là. C'est bon, je rentre chez moi, Peut-être 927. Là? Normalement, l'heure. Je sais pas combien il y a, mais il y a. Oh, ça tue, frère. Oh, ça tue. Mais là, le stack, gros, regarde ce qu'il y a. Ah, mais les gars, t'as 5000 euros là. Les gars, il y a un téléphone. Ouais, il y a un téléphone. Ah, ça va, on s'en bat les couilles, c'est un vieux téléphone. On s'en bat les couilles. Ça a l'air d'être vieux. Même Laura, on rentre, gros, ça pose là. Regarde, c'est vieux. Mais regarde ça. Regarde, frère. C'est quoi dedans? C'est une montre. C'est vieux ça, hein. Et c'est poinçonné, les gars. Regarde, il y a les poinçons là. C'est une. Comment ça s'appelle? Ici. Montre à gousser. Ouais, gousser, c'est ça. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? On sort, du coup. Viens, on sort. Les gars, vous pouvez pas savoir à quel point. On est heureux d'avoir trouvé ça. Vraiment, ouais, c'est. En gros, mais tu imagines quand même. Pillé. Mais t'as dans le téléphone, il y a quelque chose d'autre. Mais gros, t'as vu l'alias qu'il y a? Il doit avoir quoi? Peut-être 5000 euros. Mais le son dans le téléphone. 6000 euros. Parce que ça, c'est des billets récents. Le téléphone, c'est il est un peu ancien. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai que c'est des billets récents, frérot. Ouais. C'est ça veut dire que peut-être dans le téléphone, il y a encore un autre truc pour encore trouver quelque chose, tu vois. Pourquoi? Pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi le mec enterrerait un cercueil avec si ça nous a mené jusqu'ici? Et il laisse de l'argent dedans. Au final, laisser je sais pas combien de milliers d'euros. Est-ce que c'est des vrais billets? Est-ce que c'est du vrai, véritable or? Ouais, c'est du faux, les gars. Ah, toucher les billets, ça a l'air du vrai. Non, mais après, on sait pas, ça, on verra. En fait, s'il y avait que l'argent, ça serait arrêté là, mais ouais, il y a le téléphone dedans. Bon, tu vois, tu jettes ton œil sur l'argent, tu as envie de le prendre, et là, il y a le téléphone, tu vois, il y a quelque chose. Les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous plaira, les gars. Parce qu'en tout cas, même si elle vous plaît pas, nous, elle nous a plu, frérot. Elle nous a plu, là, il y a du matos. On a pas la partie sous. Donc là, les amis, on s'apprête à remonter de là où on vient. Il fait bientôt nuit, il pleut. On fait des heures qu'on est là. Si vous voulez voir combien il y a d'argent là-dedans, combien tout le magot, c'est-à-dire savoir à combien s'élève le magot, hein, parce qu'au final, c'est un magot, rendez-vous sur notre page Instagram, elle s'affiche en dessous, et il y aura en détail les billets, il y aura tout. Comme ça, vous verrez à peu près combien on a gagné. Donc, rendez-vous sur la page Insta. Nous, ben, on se quitte ici, du coup, on se quitte maintenant. Et j'espère que ça nous mènera vers d'autres aventures. En attendant, on va quand même ouvrir le téléphone en rentrant. Je vais le mettre dans la vidéo pour voir ce qu'il y a dans le téléphone. Et après, on verra si justement il y aura une suite ou pas. Merci de me remercier. Moi, je vais être seul à la maison quand je vais ouvrir le téléphone. Donc, on va pas laisser rentrer chez lui, vous voyez plus comment. Viens, comment, on va chez toi. Bon, les amis, ben, écoutez, voilà. C'est, je suis de retour. Hein. Donc là, je viens de rentrer à la maison. On a pris une petite douche tranquille. Je vais brancher ce téléphone qu'il y avait dans ce fameux tonneau. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Je vais le brancher. Je vous reprends de suite. Ah, il sonne déjà. Il sonne, les gars. Non. Bon, les amis, bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser charger. D'accord? Parce que là, il est. Comme vous voyez, ben voilà. Il n'y a rien à l'écran. Pourtant, il est bien chargé. Regardez. Voilà, il est bien chargé. Il n'y a rien à l'écran. Je vais le laisser charger, d'accord? Et une fois qu'il sera allumé, je refilmerai et on verra ce qu'il y a à l'intérieur de ce foutu téléphone. Allez, à tout à l'heure. Les amis, le téléphone vient de faire un truc bizarre, regardez. Il est toujours branché, mais cette fois-ci,
il marque qu'en gros il est en charge. C'est des vieux téléphones, hein, c'est des téléphones Ola, Alcatel, voilà, de marque Alcatel. C'est des vieux téléphones, là il est en train de charger, on va le laisser charger, je vais essayer de l'allumer et dès que je l'allume, je vous reprends. Mais là déjà c'est bon signe, il marche, je suis content, voilà. De rallumer le téléphone, il écrit vérifier SIM et en dessous il y a un numéro de téléphone. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Il n'y a pas de SIM à l'intérieur, j'ai vérifié, c'est pour ça qu'il écrit vérifier SIM et voilà. Et là le téléphone s'éteint. C'est ça qui est bizarre, c'est que le téléphone. Je sais pas, c'est bizarre. Je vais noter le numéro, je vais regarder. Ah voilà, voilà, il se rallume. Comme le téléphone en question fait que s'éteindre, ben parce qu'il est vieux tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le numéro, je vais regarder la vidéo que je viens de tourner là à l'instant, je vais la regarder sur l'ordinateur, je vais faire une capture d'écran du numéro qu'il y avait et je vais appeler ce numéro. Donc là, je suis obligé d'arrêter de filmer, je vais regarder la vidéo que je viens de tourner pour faire une capture d'écran du numéro, je refilme et j'appelle le numéro devant vous pour voir ce que ça dit. A de suite. Donc voilà les amis, j'ai le numéro, j'ai la capture d'écran. Je vais appeler le numéro devant vous, d'accord? Et on va voir qui répond au bout du fil. Alors, je compose le numéro, c'est parti. Je mets le haut-parleur. J'espère que quelqu'un va répondre. C'est la même voix, les gars. C'est la même voix. Attendez. On va reprendre les choses dans l'ordre. J'ai des frissons, les gars. J'ai des frissons. Donc là, ça veut dire que, en fait, la personne, de ce que j'ai entendu, la personne a eu un cancer du pancréas, un stade avancé apparemment, et qui était condamné à mourir, donc. Et qui a préféré donner son argent plutôt que de le laisser à l'État ou à je sais pas, j'ai pas très bien entendu. Voilà. J'ai pas de mots, je suis. Si c'est vraiment ça, si c'est ce que j'ai compris, ben. Je suis désolé pour ce monsieur et je mérite pas son argent, quoi. Putain. Désolé, les amis, je suis encore sous le choc. Vous savez ce qu'on va faire, je vais arrêter cette vidéo, je vais passer à la conclusion d'ici demain, je vais appeler Sofiane et tout pour leur dire là. Sofiane, bâtard, tout le monde, voilà, pour leur dire que ben, au final l'argent on le garde parce qu'il est à nous. Parce qu'on nous l'a donné, mais ça me fait de la peine, ça fait énormément de peine. Donc les gars, si vous ne nous croyez pas, tout simplement je vais mettre le numéro de téléphone sur Instagram. Comme ça vous pourrez appeler, vous pourrez écouter vous-même la messagerie vocale, voilà. Vous pourrez l'écouter, comme ça au moins vous êtes. Vous comprendrez ce que j'ai ressenti à l'instant. Voilà. Parce que sur YouTube, on peut pas mettre de numéros. Donc si vous le voulez, vous allez sur Insta. Et au moment où, au moment où cette vidéo sera sortie, il y aura sûrement aussi le numéro. Et ben voilà. Voilà les amis. Putain, c'est incroyable ce qui m'arrive. Putain, tu racontes ça à n'importe qui, y a personne qui te croit. À l'heure pour une conclusion. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et je suis vraiment très touché par ce qui vient de se passer, parce que je viens d'entendre. J'en ai eu les larmes aux yeux parce que c'est une personne apparemment qui était vraiment en fin de vie, qui était condamnée, et sûrement à l'heure où je vous parle, cette personne doit être décédée. Et ne vous inquiétez pas, on ne dépensera pas l'argent n'importe comment, par respect pour ce monsieur. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette série de 3 épisodes vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes si vous ne les avez pas regardées, et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.futuratech.com pour porter nos vêtements, et s'ils vous plaisent, n'hésitez pas à acheter les mêmes à vos amis, ou vos enfants, car il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous rajouter sur Snap et Instagram pour voir combien il y avait au total dans ce tonneau. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kamoff, à bientôt. Ciao.